J'ai arrêté l'école à 17 ans. Et ouais, j'ai dû un peu remettre tout à plat et prendre des décisions. De ne pas suivre une voie imposée ou des obligations, en fait, juste sociales. Mes parents avaient tous les deux une veine artistique. J'ai l'intuition, en tout cas, que cet héritage-là, il m'a été donné par ma mère et mon père. Mais pourquoi je suis parti loin, je ne sais pas trop. Je pense que l'éloignement allait, je pense, susciter des nouvelles formes d'exploration, des nouvelles formes de découverte de soi. On a conscience parfois d'être dans des endroits vraiment éphémères. On est témoin, en fait, finalement, dans notre bureau de tous les jours, d'une certaine dégradation ou d'un certain tournant. Ce qui est bien triste. Les témoignages les plus marquants sont vraiment ceux qui sont liés à l'océan. Là, c'est beaucoup plus marquant parce qu'on voit vraiment la détérioration de notre planète. Et finalement, l'envie de vivre d'une passion s'est présentée et j'ai un peu sauté sur l'opportunité. Mon but dans la vie, c'était juste de me lever le matin et d'être heureux.